Nervosité. De l'adrénaline. La fierté. C'est ça mon objectif, tu sais, de toujours l'adrénaline, go, 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 on y va. C'est un sport qui a beaucoup d'action. L'aspect de vitesse, l'aspect de faire des dépassements durant les compétitions, arriver dans le tournant vite, faire un pivot. Je pense que c'est, moi, personnellement, c'est les choses que je trouve le plus excitant. La sensation de vitesse, les bandes, les chutes. Moi, je pense que moi, je vois le patin de vitesse comme un sport extrême, puis les gens qui recherchent l'adrénaline. La compétition, la vitesse. J'aime ça travailler sur la technique que j'ai, puis faire regarder, m'entraîner. C'est le fun parce que tu vis des choses extraordinaires. Le patin, c'est un dépassement de soi quand tu veux toujours aller de plus en plus vite. Quand je patine, c'est sûr, j'ai bien moins peur que quand je regarde. Quand je regarde, c'est de là-haut, c'est serré, il se passe beaucoup de choses. Mais en patinant, j'oublie toutes ces choses-là. C'est vraiment, c'est juste l'habitude qui embarque. Comme un jeu d'échecs un peu. Moi, je compare ça des fois à la Formule 1. C'est tellement tactique. J'adore, c'est fou. La joie, le bonheur, je suis comme tellement bien quand je fais du patin. Là, que je pense plus à rien. Là. Le patin de vitesse, c'est un sport qui est très populaire. On est un sport très social, très ouvert. Ça, c'est un aspect du patin de vitesse que les gens adorent. Hello! Dans mon club, on est quatre en cette année, du même âge. On est tout le temps ensemble. Quand on arrive en entraînement, puis on fait des runs ensemble, la complicité est tellement grande que c'est comme... On est plus fort, on se pousse, on pousse fort, on roule plus vite. Oui, le monde, il te supporte beaucoup. Ma famille, puis mes entraîneurs, mes amis, puis on se supporte tout un à l'autre. On se pousse à les limites, comme on pratique. On est serré, on se connaît toutes, puis on s'aime toutes. Puis, mettons qu'il y a quelqu'un qui a une bad luck, une mauvaise course. C'est sûr que chaque personne de l'équipe qui va voir, qui va croiser dans un corridor, va aller faire une caresse, va lui dire c'est pas grave. Tu sais, tu te reprends. L'atmosphère dans une compétition, ça resserre les liens d'amitié. Dans le patinage de vitesse, ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de connaître des gens, ça m'a permis d'acquérir une certaine attitude dans la vie qui peut m'être utile dans à peu près n'importe quoi. Puis je suis vraiment reconnaissant envers le patinage de vitesse de m'avoir apporté ça. Le patinage de vitesse au Canada a un bon programme pour développer les jeunes. C'est bon pour les jeunes. Il y a beaucoup de succès au niveau international pour les athlètes nationaux. Alors, ils voient les athlètes qui performent bien, ils veulent faire pareil, ils veulent aller gagner des médailles plus tard dans les Jeux olympiques. Le meilleur centre national, c'est concentré dans l'Est. Dès qu'on est jeune, au Québec, les patineurs, on est vus comme pouvant devenir des champions parce qu'on domine. Je pense qu'au Canada, on est chanceux parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de clubs de patinage de vitesse, puis qu'il y a beaucoup de bons entraîneurs, il y a beaucoup de modèles de patineurs, vu qu'au Canada, on est le pays, bien, je pense qu'on est le pays le meilleur au monde. Moi, j'entraîne des jeunes. Moi, je leur dis mes expériences, je leur dis qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qu'ils devraient faire. Puis, je leur dis continuez vos rêves, là, lâchez pas surtout. J'ai commencé, puis j'ai tout de suite aimé ça. J'ai fait une course, puis j'étais arrivé chez nous, j'ai demandé à mon père si c'était possible de m'inscrire dans un club de patinage de vitesse. Puis c'est sûr qu'au début, tu t'aimes tellement ça que ça te donne le goût de continuer, parce qu'au début, c'est des jeux. Les jeunes vont aimer ça, même quand ils sont jeunes, ils vont aimer ça quand tu commences le sport, puis ça te fait prendre l'air, ça te fait faire du sport, puis t'es en forme, puis ça nous aide pour notre santé aussi. La compétition, ça redonne du pep, là. C'est genre... Quand tu t'entraînes, c'est... OK, je m'entraîne, je veux gagner la prochaine compétition. Fait que tu t'entraînes fort, puis t'as du fun là-dedans, tu connais tout le monde, t'as du fun avec tout le monde. Ça coûte pas cher en équipement, pour commencer. C'est très accessible. Il y a un très, très bon réseau de compétition au Québec, au Canada.
Il y a des patineurs qui commencent à patiner à l'âge de 15 ans, à l'âge de 20 ans, comme il y en a qui patinent juste la fin de semaine à l'âge de 40 ans. C'est un sport qui est ouvert pour tout le monde. Puis il y a plusieurs patineurs, beaucoup de patineurs qui patinent puis qui font pas de compétition, juste pour le plaisir de l'entraînement puis de faire du sport. C'est un sport, quand tu viens ici, c'est d'équipe. Tu connais beaucoup de monde, puis c'est pas le fun. Moi, c'est sûr que j'insiste, tout le monde qui veut le faire, viens-t'en. Moi, je suis là pour t'entraîner, puis pas de problème.